principal message que je voulais faire passer ce matin, c'était la nécessité de nous mobiliser toutes et tous, parce que le combat de juin qui s'annonce, on ne sait pas pour la date, eh bien ce combat-là est fondamental. C'est la fête aujourd'hui, c'est notre fête à tous. Et la fête, c'est aussi pouvoir s'amuser, c'est aussi pouvoir rire, malgré les difficultés du moment et malgré la gravité de la crise. La fête, c'est aussi, finalement, avoir la capacité de conserver l'humour en tout temps. Et pour les hommes et les femmes politiques, élus ou candidats, c'est de conserver en permanence cette capacité d'autodérision. Mais, plus sérieusement, quand on réfléchit à ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers jours, eh bien on constate que les humoristes, les caricaturistes exagèrent à peine. Dans ce pays de Magritte, dans cette patrie de Magritte, l'homme à la pipe, qui n'en était pas une, ben c'est vraiment le surréalisme. Et donc, je dirais que cette situation qui est créée aujourd'hui doit d'abord nous faire réfléchir à ce qui s'est passé et surtout nous faire prendre conscience que le premier travail que toutes et tous nous allons avoir à faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va être de retourner auprès des gens pour expliquer simplement les choses et aussi pour les convaincre. Les convaincre de la justesse de nos thèses, mais aussi les convaincre d'aller voter. Parce que ça, c'est la première chose, le premier risque que l'on court, c'est que nos concitoyens aujourd'hui disent « on ne va pas voter, ça ne sert à rien ». Or, justement, ne pas aller voter, c'est laisser la place aux extrémistes. Et donc, si on y réfléchit à ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on a fait fort. On a vraiment fait très très fort. Pensez un petit peu. Un jeune président du parti libéral, flamand, certes, enfin quand même libéral, décide, pour des questions de stratégie interne à son parti, de positionnement, mais aussi pour des questions de stratégie au niveau de la Flandre, c'est un peu comme le jeu du valet puant, il décide de lancer des ultimatums. Le gouvernement démissionne, logiquement le roi consulte, et même avant que le roi n'ait terminé de consulter, le premier ministre démissionnaire, mais il n'en était pas à son coup d'essai, et le premier ministre démissionnaire annonce qu'il y aura des élections et présente celle qui sera son successeur. C'est un pays fou ici, on ne sait même pas encore s'il y a des élections, on ne sait pas la date, mais on spécule déjà sur celui ou celle qui sera premier ministre. Ben, discutons d'abord de l'essentiel. Et BHV, la BHV, le problème aujourd'hui, il y a un président d'un parti libéral, francophone, celui-là, qui a dit c'est une bombe atomique dans son aide d'alarme. Ben, dans son aide d'alarme, elle nous a bien aidés, puisque elle a permis, si c'était une bombe atomique, de neutraliser le processus. Et après les élections, c'est vrai que des hommes et des femmes responsables devront se mettre autour de la table avec la volonté d'aboutir et de faire un accord qui sera un compromis sans doute, où chacun aura des choses et chacun devra céder d'autres choses, et où finalement il y aura une solution à la fois pour respecter les droits de l'homme, de respecter les droits des minorités et aussi, quelque part, faire en sorte que la région bruxelloise soit correctement financée et qu'elle puisse continuer à exister. Alors, est-ce que cette crise était tout à fait imprévisible? Ah non. Non, parce que si on se réfère à ce qui s'est passé, souvenez-vous, 2007, après cette élection de 2007, une volonté clairement affirmée par la famille libérale, à cette époque-là, c'était encore une famille, une grande famille. On ne voulait plus de nous. Mais je ne vais pas revenir sur, entre guillemets, la gestion de la province du Brabant-Wallon,
avec une majorité turquoise, comme l'on dit, où là, c'est plus particratique que jamais. Et donc voilà, ça c'est un constat que l'on fait. S'il y a un bilan aujourd'hui du gouvernement dont nous sortons, mais c'est le bilan qui est à mettre à l'actif des ministres socialistes. Et ça c'est dit sans chauvinisme aucun. Le problème, c'est que cette crise a arrêté toute une série de projets, qu'il faudrait effectivement des élections qui nous renforcent pour reprendre ces projets et les faire aboutir, par exemple pour la solidarité avec la Grèce, ou encore pour, finalement, les mesures anti-crise. Et vous voyez que ce n'est pas un hasard si ce sont les Flamands qui s'opposent à ces mesures, le prolongement des mesures anti-crise, ou encore si ce sont les partis plus à droite de l'échiquier politique. Et donc, ce que je voudrais vous dire, mais c'est que dans les jours, les semaines à venir, on va avoir besoin de beaucoup de vous. On va finalement avoir beaucoup de réunions. Nous allons constituer rapidement nos listes, les plus fortes possibles. Celles et ceux qui ne seront pas retenus, eh bien, ils ne devront pas nous en vouloir, mais on demandera qu'ils restent associés avec nous et qu'ils constituent le deuxième cercle. Ce deuxième cercle qui va s'agrandir de plus en plus, pour nous accompagner dans les quartiers, dans les maisons, dans les villages, dans les communes, pour convaincre, pour démontrer que finalement nous sommes des hommes et des femmes socialistes responsables, capables d'être fermes sur nos valeurs, d'être fermes dans nos positions et dans la défense de celles-ci, d'être fermes et déterminés dans la défense de nos projets, mais aussi nous sommes des hommes et des femmes capables de nous mettre autour d'une table pour discuter, négocier, pour aboutir à des accords, pour conclure des accords et les faire respecter, pour faire en sorte que les projets concrets avancent pour les gens. Les hommes et les femmes politiques qui sont engagés, qui sont responsables, quel que soit le niveau où ils sont engagés, sont des hommes et des femmes politiques qui ont le sens du devoir, qui ont le sens des responsabilités, qui sont là pour apporter des problèmes, des solutions aux problèmes quotidiens des gens. Et ça, je crois qu'il faut le dire partout, mais ce sera plus facile à dire encore aujourd'hui, car les résultats concrets du travail de chacune et de chacun, au niveau où ils se trouvent, sont là pour démontrer que nous sommes crédibles. Et ça fait quand même 125 ans que nous sommes un parti de progrès et de propositions pour améliorer le bien-être de chacune et de chacun, et donner à chacune et à chacun le bonheur qu'il mérite. Je vous remercie. Bon 1er mai, bonne fête.